Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le pronom relatif don. Don permet d'intégrer un verbe conjugué dans un groupe nominal. On utilise le pronom relatif don pour intégrer un verbe qui se construit avec la préposition de. Prenons par exemple le verbe parler de quelque chose. Phrase 1. Je parle de la réunion. Phrase 2. La réunion est importante. Maintenant, grâce à la magie de la grammaire, je vais intégrer la phrase 1. Je parle de la réunion. Dans la phrase 2. La réunion est importante. Pour vous faciliter la compréhension du processus, je vous propose de le suivre en deux étapes. Allez, on recommence. Phrase 1. Je parle de la réunion. Phrase 2, la réunion est importante. Étape 1 du processus d'intégration. La réunion de laquelle je parle est importante. Au moment d'inclure le verbe dans le groupe nominal la réunion, je place la préposition de avant le verbe je parle. Je répète l'étape 1, la réunion de laquelle je parle est importante. La réunion de laquelle je parle est importante. Mais attention, le processus n'est pas terminé. Étape 2. Je remplace de laquelle par le pronom relatif dont. La réunion dont je parle est importante. Je répète, la réunion dont je parle est importante. Allez, on répète une fois de plus le processus. Phrase 1. Je parle de la réunion. Phrase 2. La réunion est importante. Étape 1 de l'intégration. La réunion de laquelle je parle est importante. Étape 2 de l'intégration. La réunion dont je parle est importante. La réunion dont je parle est importante. Prenons maintenant l'expression verbale avoir besoin de quelque chose. Phrase 1. J'ai besoin d'un ordinateur. Phrase 2. L'ordinateur est cher. Allez, maintenant on va intégrer la phrase 1. J'ai besoin d'un ordinateur dans la phrase 2. L'ordinateur est cher. Étape 1 de l'intégration. L'ordinateur duquel j'ai besoin est cher. Étape 2 de l'intégration. L'ordinateur dont j'ai besoin est cher. L'ordinateur dont j'ai besoin est cher. Voilà, la leçon est terminée. Au revoir et à bientôt.